Salut les amis, c'est Byakuya, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau moment dans sur Urban X Reporters pour partager l'énergie positive dans toute sa diversité. Les amis, le breakdance issu de la culture hip-hop, également appelé breaking, fera son entrée dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour avoir la chance de représenter la France pendant la compétition, des qualifications sont organisées aux quatre coins de la France pour constituer l'équipe de danseurs et danseuses. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à la qualification de la région PACA organisée par la Fédération Française de Danse et l'association Original Rockers, l'association Move-It, l'association Pas de Base en collaboration avec la mairie du 2e et 3e arrondissement de Marseille. C'est le B-Boy Danny Dan qui a remporté cette qualification face à B-Boy Najib. La finale était pleine de danse et d'énergie. Les deux B-Boys de grande qualité nous ont offert un beau combat. Les amis, donnez-nous vos avis sur l'entrée du breaking dans les Jeux Olympiques. Soyez modérés dans vos commentaires. Nous sommes là pour échanger et débattre, pas pour nous battre. Je vous laisse avec la vidéo de la finale. Je vous remercie les amis. Je vous dis à la prochaine pour des nouveaux moments danse sur Urban X Reporters. A bientôt. C'était chaud, très très chaud. Je vais demander au jury, s'il vous plaît, de se lever pour pouvoir lever la main du vainqueur. Donc, allez-y. Et je vais demander à monsieur Azimi de venir, à la Fédération Française de Danse, à Karim Leroy aussi de venir pour pouvoir remettre les prix au vainqueur. Et la Fédération Française de Danse, je vous l'ai dit, ouais. Pour remettre les prix au vainqueur, monsieur Azimi aussi, je l'ai appelé.
mettre nos trois jurys là, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez désigner. À main levée comme ça. Comme ça, on est tranquille. Qui représente le Sud le 26 juin, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence. Ça fait un an et demi qu'on attend de savoir justement qui va représenter le Sud de la France sur cette compétition, premier championnat de France. C'est quelque chose d'historique pour le milieu de la culture hip-hop, pour la danse hip-hop. Du coup, public, je veux un 5 comme on n'a jamais entendu. Le 5, il faut l'entendre jusqu'à Paris. On est bon? Donc, qui remporte la qualification du championnat de France, Région PACA. Et pour ça, public, ça fait 5! 5!